Bon, c'est bon ce qu'il dit, j'ai eu Bill au téléphone. Ouais, il sort bientôt. Il est dans la boîte. Ok, cool. Mais ici, tu Quoi? sais que c'est un peu un quartier. Comment Quartier dire? quoi? Pour hommes, quoi. Ah, je sais pas, mais bon, on doit aller le rejoindre. Ouais, non, mais la boîte ici, j'ai un petit doute parce que lui qui Vas-y, cherchait une je te femme. suis ce qu'il dit. Vas-y. J'ai l'impression que. Bon. T'as mis le Bluetooth? Toujours. J'ai J'ai toujours Bluetooth l'impression maintenant. que qu'il s'est un peu trompé, tu vois, à moins que finalement il soit d'un bord différent de ce qu'on croyait, tu vois. Je sais C'est pas. ici, je. Ouais, c'est si, c'est Hop. si. Ah, il est là, regarde. Hey là. Hé! Salut Bill. Oh putain! Il faut quoi là, lui, Joe, là? Quoi? Faut quoi ce mec là? Mais on est obligé maintenant, tu sais très bien. C'est quoi ton Putain. accoutrement ridicule, mec? T'as vu le tien, non, ce qu'il dit, peut-être? Non? Bah écoute. Les gars, vous avez tous les deux des claquettes de chaussettes, en tout cas, je dis ça, je dis rien. Enfin bref. Clac. Oh yeah! T'es skizzy pour une fois que t'as la mode. Pour une Ah bah fois, hein. écoute. Ça c'est mon Joli. temps militaire, hein. Tu vois, on m'a appris à être avec la classe. Ouais, Surtout en joli claquettes de béret, ouais. chaussettes. Par contre, Bill, Merci, ouais. juste avant de commencer, tu fous quoi dans cette boîte? Ouais. Eh, je suis tombé en panne. Et j'ai demandé de l'aide dedans et personne n'a voulu m'aider. Tu sais que cette boîte est réservée aux hommes qui aiment les hommes. Tu le sais ou pas? Mais je crois Non! qu'il a un Tu te problème fous de ma d'essence gueule! et qu'il est passé à la pompe, hein. Le petit Billy, regarde. Bah non, Pardon? je t'assure. Comment tu sais? T'es venu tant ou quoi? Bah viens, Ah non, mais. viens sur moi, Bill, viens. Viens, viens, je te montre un truc, vite Mais fait. tu vas où là, Joe? Viens, viens, je te montre un truc. Ouais. Regarde. C'est l'affiche de la boîte. Tu vois là? Oh! C'est pas vrai! Alors? Ah, je me disais aussi, y a pas de gonzesse dans cette boîte! Ouais, Eh bah tu écoute. m'étonnes. Je comprends mieux maintenant! Ouais, Ouais, enfin bref. personne. Les mecs, ils savent pas, ils connaissent pas la mécanique, c'est normal. Enfin bref, Bill, bon, je suis pas venu pour ça à la base, mais Moi, je suis venu pour ça, par contre. Tu connais rien mécanique, toi, Joe? pas du tout. Pourquoi J'ai t'as un problème, ça démarre cassé? plus. Ah bah écoute. Je vais voir ça. J'ai Bon, trafiqué elle est un tombée peu en les panne fils. depuis que je me suis fait un mec là, regarde. J'ai tapé Tu un t'es mec fait un sur la mec? route. Ah, T'es tu t'es fait un sérieux? mec? Putain, mais t'es con. Tu t'es fait. Mais regarde, ça marche. F, elle est juste enclenchée le contact. T'es sérieux, Bill, là? Putain, Bill. En fait, t'es allé à la boîte pour rencontrer des mecs. À vous tout. Non! Je t'ai À dit que vous. non! À vous. Mais non! Arrête de foutre ma gueule! Tu veux une droite, ma gueule, peut-être? C'est bon, Hein? ouais. Oh, pas d'embrouille, les gars, pas d'embrouille, pas d'embrouille. Attendez, on va tout stopper, Non, on mais. va arrêter le sujet. On a une mission, les gars. Juste, On a une il n'y mission. arrive pas avec les femmes, bah il se met aux hommes, voilà, c'est tout à son honneur, Skizzy, il fait ce arrête, qu'il veut. arrête, arrête, Skizzy, bordel. Tiens là! Non, 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 stop, 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 les gars. Putain, mais arrêtez, arrêtez. Non, stop, 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 stop. Stop, les gars, écoutez, on a une mission. On a une mission, ok? Dans le dis là, Skizzy, sinon je te la refais ta tête là. On a une mission, les gars, écoutez-moi. Avec ta moto pourrie Mais là! putain, mais pile, merde, arrête! Putain de merde! Les C'est gars. parce qu'il me retient, Joe! Stop, stop, stop. On a une mission, les gars. Ouais, c'est important. N'oubliez pas ce qui s'est passé. Colin, c'est mort, hein? Vous vous en rappelez? Ouais, d'ailleurs, c'est à cause de ce guignol. Oui, enfin, Non, c'est toi qui l'as c'est tué. pas, non, c'est pas le Non, moment, c'est c'est toi. pas le moment, les gars, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ok? On va le venger. Hein? On va le venger et ça va passer par plusieurs étapes. Attends, 2 secondes, Joe! Faut que j'aille pisser. Il se fout de ma gueule, celui-là. Ouais! Ouais, J'ai let's go. changé un peu, je suis moins gros porc, je vais demander aux toilettes! À la boîte! Hey Joe, Ouais. il allait. Sa voiture marchait très bien. Ouais, mais c'est bizarre. C'était de manière consciente qu'il est dans la boîte. Hein. Mais je pense que finalement, comme il n'arrive pas avec les femmes, il essaie avec les hommes. Je sais pas, je pense pas, non, Bah, ça c'est le gros m'étonnerait. connard! Ouais. De toute Cuisineur de façon, merde! on regarde comment il est sapé et tout. Oui, tu peux venir que je t'explique le plan? Mais il faut que je paye pour pisser! Je vais pisser à Ah la oui. rue! Oh putain, le relou. Putain, hey, il était obligé d'être là ou quoi? Ben Il oui, va on encore est nous faire obligé, foirer la mission, on est ce con. obligé, il faut qu'on soit 3, on n'y arrivera jamais à 2. Putain, Et puis Bill, ouais. Ouais, mais quand il y a bon. de l'action, il est toujours là. Ouais, d'accord, mais bon, ouais, ça qui. Il est C'est un un peu peu le long, il est faire-valoir. un peu long la détente, mais il Oh, les tient. gars! Ah oh, putain, allez, Qu'est-ce qu'il oh putain! Putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Oh putain. Bill, Qu'est-ce Bill, qu'elle oh, avait fait cette Bill, dame? Bill, est-ce qu'on peut se poser 5 minutes et écouter? Va te taper sur quelqu'un, je suis désolé. Alors, je vous explique le plan. Donc, on doit venger Collins. Ça va passer par plusieurs étapes. Deuxième fois que je le répète. Alors, on va commencer par la première étape. Et la mafia albanaise a des documents très importants. Il faut leur voler. Ok? Ça vaut très très cher comme document. C'est des plans, des trucs que je comprends rien à ce qu'il y a dessus, mais ça vaut très très cher. Il faut juste le voler, c'est tout ce que je sais, ok? Ouais. Vous êtes chaud ou pas? On est payé Ouais. combien? Y a pas d'argent là, y a pas d'argent ce qu'ici.
putain, fais chier. Quand Coconis est mort, on a passé à marcher. On te laisse la vie sauve et tu nous aides. Ouais, mais un petit salaire quoi, moi j'ai pas non. N'oublie pas que maintenant il n'y a plus personne pour t'aider. Il n'y a plus que nous. Ok ? Écoutez, vous avez plus besoin de moi que vous, que moi j'ai besoin de vous, tu vois. Mais enfin bref, ok ? Moi j'ai les contacts du réseau, tu vois. T'inquiète pas, un jour on aura de la thune. Un jour on aura de la thune. Ouais, ouais. Bill, qu'est-ce que tu fous ? Bill ? J'arrive, Joe. Non, non, mais on sait que maintenant, voilà, c'est plus les femmes qui t'intéressent. T'as un problème, toi. Bon, les gars, bref, stop, les gars, on arrête. Bon, je me mets au milieu, stop. Écoutez, on va aller dans une boutique d'armes, ok ? Vous allez acheter ce qu'il faut, et après, on part en mission, ok ? Ok. Ok. On se revoit plus tard, mon petit Bill. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, on y va. Bill, putain, t'as fini. Putain, Joe, j'avais jamais pissé dans une cabine. On y va, putain. Ah, ça va, y'a pas le feu. Oh, relou. T'es obligé de gueuler quand tu pisses, hein, on t'entend trop avec le Bluetooth. Ouais, ferme là, toi. Mais ouais, apparemment, tu nous entends. Ouais. Ah, non, mais c'est bon, quoi. Allez, vas-y, démarre. Fais que de la merde depuis tout à l'heure. Allez, démarre. On va où, là? Bah, au parking. Lequel? Pas loin, vas-y, continue. Continue la route. Eh les gars. Putain, y'a des bouchons en plus. Je suis sur le toit là. Ouais. Pour vous couvrir, je vois un mec. Un mec, ouais, c'est peut-être un mec qui travaille sur les toits, non? Non, non, mais. Accélère, Bill, on s'en fout des feux rouges. Il semble avoir une arme. Ah, une grosse ah, arme. Putain. Une arme? Une arme lourde. T'es sûr que c'est une arme, c'est pas autre chose? Non, mais c'est pas un Albanais, attends. Je m'approche de lui. C'est peut-être la mafia, non? Attends, je sais pas. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais sur mon poste de tir? Putain, mais c'est qui qu'on entend au fond là? Eh, t'es qui? C'est quoi ce bordel? Présente-toi. Tu parles à qui? Vous êtes qui? T'es qui? Ça va là-haut? Présente-toi. Attends, non, non, mais c'est bon, attends. Là, me parle pas, là, il y a les Albanais en face. Tu dois tuer les Albanais aussi? Suis-moi, Bill. Tu veux les tuer aussi? Ouais, je suis là pour ça. J'ai buté mes coéquipiers. Vas-y, on parlera après. Très bien. Fais le taf bien, par contre. C'est bien de faire connaissance, mais... Tu vois les deux guignols en bas, là? Ouais. Putain, regarde, absolument pas. Oh mon dieu, non, il a une barbe, il est dégueulasse. Regarde le toit là-haut. Ouais, lui, encore si tu tires dessus par inadvertance, y'a pas de soucis, mais... Attends, bon, je vais essayer de tirer sur lui. Non, mais... Eh, c'est qui ta copine Skizzy, là? C'est ton pote ou pas? Non, en fait, non. Bon, viens, Bill. Enfin bref. Bon, les gars, on a pas le temps de discuter pendant 3 heures, là. Bon, allez, nous, on commence à vous y... On monte. Quoi ce bordel, je me fais tirer dessus, là, Joe, je l'ai buté, là, les deux là-haut. Monte. On s'en fout, Bill, cours. J'ai passé un Bluetooth, comment tu t'appelles, mec? Je m'appelle Slater, Jack Slater. Comment? Jack Slater, ok, Slater. Enchanté. Vous pouvez m'appeler Slater. C'est quoi ce nom de table tarlouse là? Slater. Attends, comment tu t'appelles toi? Ouais, Bill Murdock. Retiens bien Murdock. Ce nom. C'est celui qui est buté là. Les gars, ça vous dit pas qu'on fasse connaissance plus tard, genre autour d'une bière qu'en mission? Ouais, c'est ça, autour d'une bière. On doit déjà qu'on s'en sorte avant de faire connaissance, mon ami. T'inquiète pas pour nous. Putain, mais bon, bref, on en parlera plus tard, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi, les Albanais, quoi. On trace, pas le moment de poser des questions, tout ce qu'il faut, c'est récupérer les documents, bordel. J'espère que t'es pas venu pour la même chose, toi. Non, je suis venu pour les buter, ils ont niqué mes coéquipiers. Ah, bah, j'oublie jamais. Bon, non, normalement, c'est... Attendez, il y en a au fond. Oh, ce qu'il dit, ça s'en fait, là. C'est bon. Vas-y, couvre-nous. J'ai tué, c'est bon. Normalement, il n'y a plus personne. Ça y est. Pire, non, Bill. Avance doucement. Bill, cours au milieu, cours, saute, n'hésite pas. Attendez, y'en a un derrière la voiture noire. À côté de la rouge, peut-être, faites gaffe quand même. Putain, vous avez tout fumé, les gars, on a même pas le temps de s'amuser. Oh, c'est qui tire, là? Doucement. Eh, hey, Jack, fais gaffe quand même. Slater.
Ouais, si tu les tues, voilà quoi. Bill, ça tire, il est où? Derrière toi, Joe, fais gaffe! Il est là! Fumier! C'est bon! Putain, il était où? Ah là, ouais, il est pas mort, il est pas mort! Les gars, bon. j'ai la mallette! On descend, toi, bon. Ciao, à la prochaine. T'es sûr que c'est la bonne? Ouais, c'est la bonne. Oh, viens, tu vas pas te débarrasser de ça. Ok, ça va? Putain, il est en train de me suivre. Non, non, mais c'est bon, t'as fini ton boulot. Mais voilà. Suivre, on sait jamais ce qu'il dit. Laisse le suivre, il pourra pas t'aider. Ouais. Oh, mais Joe, on se casse sans eux là. Vous croyez que vous allez vous débarrasser de moi aussi facilement? Ah ouais, on a buté des mecs ensemble, il faut parler maintenant. Ouais, mais c'est bon, vas-y. On va parler à la fin de la mission, on doit faire quelque chose. Et ton pote Skizzy a oublié de reprendre son Bluetooth. J'ai dans vos oreilles donc. Bah, garde-le, ça. Bah, non, je suis laissé, mais t'inquiète. Tu peux servir de bouclier humain donc viens. Est-ce que vous voyez des ennemis, quelque chose? Y'a rien? Non, y'a plus rien. Bah, Joe, c'est trop facile là. T'as rien à faire. Y'a un problème, non? Bill. Vas-y, on va les récupérer. Ah, on peut pas monter à. Attends. Si j'avais su, je serais resté dans ma télé là. On va plutôt monter dans cette voiture comme ça, on pourrait être transporté. Prochaine fois, tu m'appelleras quand y'aura plus d'ennemis à buter. Je crois qu'on va sauter là. J'en ai marre de descendre. On va sauter là. Malade! Attends, moi juste. Mais c'est pas haut, c'est pas haut. Non. Fais gaffe, y'a des ennemis qui arrivent. Quelle flippette. Merde! Des ennemis où? Là, des abonnés qui reviennent. Je me couvre! Oh putain, je me suis écrasé par une vieille. Défoncez tout, les gars. Pas c'est bon, c'est pitié, bon, c'est pas bon. Pas de pitié, pas de survivant. Y'a plus personne. Putain, il est là! L'homme. Eh ma caisse! Putain, hey il est près de ta caisse. Bon, tant pis, on monte à 4, les gars. Il faut qu'on monte à 4. Allez, montez. Putain, fais gaffe, toi, le nouveau là. Montez tous. N'utilisez pas de C4, ça pourrait être dangereux. Ah, c'est quoi cette odeur? Bon, tu connais l'entrepôt de Lester? Qui c'est à moi? Non, je connais pas. Non, je parle à 7h là. Quoi, Lester? Non, ouais. Je connais pas, c'est qui ce type là? Je te mets sur le GPS l'adresse. Ok, vas-y. Voilà. En tout cas, bonjour. Bonjour, enchanté. Slater, Jack Slater. Attention, ma caisse quand même, Slater là. Au point où on en est. Non, tu fais attention, elle m'a coûté cher, s'il te plaît. Ça t'a coûté. Je veux pas savoir. D'accord, très bien. Et donc Bill Murdoch, c'est ça? Murdoch? Ouais, c'est Bill Murdoch, ouais. Ah, parce que tu me connais pas, pourtant je suis connu dans le... Tu vas voir, cette heure, Bill Murdoch est un personnage atypique, hein, tu vas voir. Ah bon? Ouais, il est drôle. Oui. Il a déjà une voix, une moustache assez, on va dire, probitante. Il est vachement drôle. Le gamin. Tu me dois le respect, gamin. Tu m'as tiré dessus tout à l'heure. Non, mais t'inquiète, il dit ça, mais bon. C'est le petit rigolo du groupe, hein. Ne me prends pas au sérieux. Ok. Si tu peux accélérer un petit peu, parce qu'on n'a pas que ça à faire, tu vois. Et tu t'appelles comment, toi? Accélérer. Skizzy 2. Ouais, Skizzy 2, ouais. Merci de retenir mon prénom. Ah bah excuse-moi, mais c'est pas... Sinon, ouais. Excuse-moi, Stater. Ouais, Stater. Ouais. Tu bosses pour qui? Ouais. Tu nous as des explications, parce que là, t'as failli foirer notre plan. C'est vous qui avez failli... Non, c'est toi qui a non contrôlé la situation. Enfin bref, c'est passé. Maintenant, on va s'expliquer tranquillement. Et on va aller là où on doit aller et on discutera après. Ok. Ouais. Pire, j'ai une idée où on pourrait aller. Non, mais vous en souvenez, Collins, il avait. On peut toujours rentrer à la nuit, non, gratos? Dans sa boîte de safety, vous pensez? T'es sérieux là? Je peux y retourner. T'as vraiment aucun scrupule, toi. De quoi? Rien, Lester. T'es vraiment fumier. Non, mais on peut profiter du bon temps aussi. Cherche la merde, hein. Collins, c'est qui ce mec? Là, on t'expliquera après. On t'expliquera à la fin de la mission. Non, on va plutôt aller chez moi après, les gars. Ah oh, putain, un bon whisky. Oh, putain, baisse le son, merde, Bill, c'est fort. Hein? Non, dis quoi, Joe? Oh, putain! Bon, Slater, je te présente ma baraque. Attends. Là où j'habite. Ah, vous êtes là, les gars? Attends. Skizzy, t'as toujours les clés? Je t'en prie, serre-toi. Vous habitez ensemble? Je comprends pas. Non, alors attends, je t'explique, Slater. Non, pas du tout. En fait, ici, on est chez moi, et Skizzy a juste pris les clés, et ce mec s'incruste... D'ailleurs, il faut que je récupère ses clés. Ou non, j'ai changé les serrures. Eh, ton 20, tu pourrais mettre un peu mieux, parce que là, c'est bon, quoi, du 10 ans d'âge, moi, j'ai du 20 ans... Vas-y, rentre, hein, Slater, fais comme chez toi, sale-toi. Merci, c'est gentil. Fais comme chez toi, vas-y. Qu'est-ce que tu fous, Bill? Putain, mais tu regardes encore tes conneries, là? Ah, je le connais, cet épisode. Putain. Ah ouais? Tu connais ça, toi aussi? Ouais, je connais, ouais. Ouais, ça me fait rire, quand il parle avec ses chaussettes, regarde. Si tu fumes, tu peux fumer. Hein. C'est bon, le moment où il va le fister, regarde. Ah ouais? Bill. Le fumer de quoi? Bill. Le fister, c'est quoi le fister? Eh, Bill. Ouais. Félicité. Prépare-nous à manger, s'il te plaît. Non, on va te faire foutre.
Les gars, je pense qu'il faudrait avoir une discussion. Non, on va te faire foutre. Écoute, Jack, ça va, tu vas comprendre que c'est compliqué avec ces deux. Appelle-moi Slater. Ils s'aiment pas, les deux, ils s'aiment pas. Voilà, je te le dis, ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas, mais ils traînaient ensemble. Tu prépares pas à manger ? Putain, mais enlève-toi de la télé, je vois rien. Bah non, tu prépares à manger, sinon je bouge pas. Ah, putain, alors toi, vous êtes sérieux, les gars, non, franchement là ? Non, je vais pas prendre mon gamin. Par contre, Bill. Éteins la télé là, éteins la télé parce qu'on s'entend pas là. J'ai juste un truc de bien, claquette chaussette. Ouais, ça va, tu mérites mon respect. Est-ce que on peut éteindre. Voilà, merci. Je mérite déjà ton respect. C'est moi là qui donne mon respect pour une fois. Asseyez-vous. Vas-y, c'est toi, Skizzy, voilà. Je suis comme chez moi de toute façon. Ouais. Bon, les gars, il est temps qu'on fasse connaissance, hein. Ouais. On se connaît. Bon, bah, on va juste redire les noms parce que tout à l'heure on était en pleine action. Moi, c'est Joe Dubouc, voilà. Joe Dubouc, enchanté. À côté de toi, c'est Bill. Voilà. Murdoch. Bill Murdoch, voilà, c'est ça. Monsieur Murdoch. Et là, c'est Skizzy Doré. Monsieur Doré. Ouais, un gros con. Ouais. Donc un problème, Bill. Putain, ouais, j'ai un gros problème. Non, les gars. C'est quoi ton problème? C'est toujours ta prostate qui se pose problème, Bill? Ouais, putain, je vais avoir de près ma prostate, peut-être. Je vais peut-être partir. Ouais. Non, t'inquiète. Non, c'est normal. Il faut savoir une chose, Jack, c'est que ces deux-là ne s'aiment pas. Slater, appelez-moi Slater. Ok, Slater. Ces deux-là ne s'aiment pas. Une très longue histoire, je t'expliquerai plus tard. Ils s'aiment pas, mais vous traînez ensemble. Oui, on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a perdu un très grand ami. Voilà, Collins. Que Bill a tué d'ailleurs. Putain, mais les gars, c'est pas le moment. Bref, Collins, c'est un mec qui faisait du cinéma. Tu as peut-être dû le connaître, je sais pas, mais. Collins. Ouais. Collins Ozonnell. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, je l'ai connu dans Fast and Furious 12. Ouais, bah ça, voilà, c'est ça. Enfin bref, c'était un ami, puis il savait. Ils faisaient partie de votre bande. Ouais, on avait des problèmes avec la mafia albanaise à cause de ce mec-là, ce qu'ils y devraient. Et du coup, bah, ils l'ont buté. En fait, non. Non, Bill ils l'ont buté. Mais... Non, c'est Bill l'a buté. Enfin, oui, mais ça cause. C'est comme, s'il l'avait buté, quoi, en fait. Voilà. Tu devrais avoir honte. Moi, si j'étais toi, Bill, j'aurais honte. Après, apparemment, ça va te faire ni chaud ni froid. On va faire un peu plus connaissance. Ouais. Allez boire un verre, allez faire un tour, les gars. Je sais pas. Non, moi, j'ai profité de la longue vue. Je vais mater un peu. Ouais. Mais tu en sors. On sort, je vais passer derrière la maison de Joe là. On sort, je vais te régler ton compte toi. Allez, viens. Non, mais tu parles beaucoup, mais tu fais jamais rien. Mais viens, t'as qu'à venir. Non, moi bon, j'ai faim, donc écoute, vas-y, prépare. Va nous chercher à bouffer, écoute, tiens, vas-y. Va avec lui, peut-être que. Voilà, va avec lui, 5 minutes. Faut parler avec lui, je sais pas. Ouais, eh, si je fais une bastos, il aura bien mérité ce con. Non, pas d'armes chez moi, Ouais, t'inquiète. Bon, bref. Par contre, je prends une petite bouteille avant de sortir. Hein. Ouais, fais ce que tu veux, mais sors avec Bill. Bon, j'ai l'impression que tu es la seule personne qui est assez saine d'esprit ici. Non, c'est pas que je suis sain, c'est que ces deux-là s'aiment pas trop. Du coup, ils sont sains aussi. Enfin, à part Bill. Bill, il est assez. Il est très très instable, même d'ailleurs. Mais voilà. Ça se voit. Du coup, voilà. Mais toi, pourquoi tu étais en mission? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu travailles pour qui? Tu fais quoi en fait? Je veux tout savoir. C'est une longue histoire. J'étais flic avant. Ouais. Flic de Los Angeles. Et puis, une mission s'est très mal déroulée. Je te raconterai peut-être cette grande histoire quand je serai un peu plus bourré un jour. Ouais. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup et depuis ce jour, j'ai un peu quitté le système pour faire un peu justice moi-même. Ouais, carrément. Okay. On a monté un groupe avec d'anciens flics qui avaient marre du système. Attends. T'étais flic ? J'étais flic, ouais. Attends, non mais là par contre, ça va pas le faire, là. Là, pourquoi c'est... ça non, mais je... bah, ça laisse-moi finir mon histoire. Vas-y. J'ai des flics et... Pardon, j'ai des souvenirs qui remontent. Ouais, pas de problème. Attends. J'ai des flics et avec une bande d'anciens flics, on a monté un groupe pour emmerder toutes les personnes qui font chier le monde. D'accord, ok. On a décidé d'attaquer les Albanais. Comme des justiciers, quoi, en fait, non? Pas vraiment. Bon, bien sûr, la mafia albanaise, parfois, on était... Attends, deux minutes, excuse-moi, parce que ça sonne, c'est relou. Attends, bouge pas. Bouge pas, j'arrive, hein. Ouais, hop. C'est bon, je vais ouvrir la porte.
Ouais, donc vas-y, continue ton histoire. Donc je disais... Les... Ça va, t'es malade? T'es sûr que ça va? Je sais pas. Ah putain, non. Ah merde, putain. Bon bref. Eh, les gars, soyez silencieux, s'il vous plaît. On part. Je crois que c'est je crois que c'est le bonbon que m'a donné Bill. Ah. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça remonte. Qu'est-ce que t'as donné comme bonbon à 7h, Bill? C'est pas un bonbon que je t'ai donné. Ah bah écoute, je vais pas le savoir. Bon bref. Ouais, vas-y. Et du coup, on est passé de l'autre côté un peu. On est passé un peu de l'autre côté du miroir. Parfois on était justicier, parfois on l'était pas. On a cambriolé des banques, on a. Ah bah bienvenue au club. Fait du trafic d'armes. Attends, je te coupe 2 minutes, attends. Parce que ça sonne encore, attends, bouge pas. J'arrive, hein. Ah, mon dessin animé préféré. Oh non, putain, Bill, éteins la télé, bordel. Ouais, je me fais chier chez toi, Joe. 7h, tu veux bien me suivre, s'il te plaît? J'arrive. On va descendre. Non, mais reste avec moi, Jack. Non, on va descendre, vas-y, Bill, regarde tes dessins animés. Ouais. Putain, mais j'ai ouvert pourtant, bordel. Viens, suis-moi. Je te suis. On va dans mon bureau en bas. On sera plus tranquille. J'ai peur que tu me dises on va dans ma chambre. Attends, je préfère te dire tout de suite, je suis hétéro. Oui, moi aussi. Okay, non, ok, non, je... Okay. Enfin, et si tu ne l'étais pas, c'était viens, pas vas-y, grave pour viens. Toi. Rentre. Sûr. Voilà, vas-y, viens. Voilà. Bon, t'inquiète, fais pas attention à ça, c'est des projets. D'accord. Voilà, ne t'inquiète pas. Enfin bref, vas-y, continue ton histoire. On sera normalement, on est tranquille ici. On est... Excusez. Ouais. D'accord. J'ai réglé son compte. Non mais j'ai pas grand chose à rajouter sauf que j'ai décidé de buter ces Albanais parce que moi et mes potes on avait décidé de. Oh, Bill. On avait décidé de buter toute la mafia albanaise qui gangrène un petit peu Los Angeles quoi. Excuse-moi parce que. Eh les gars, excuse-moi. Franchement, pour un premier rendez-vous, 7h, c'est pas terrible. Excuse-moi. Bon, en fait, clairement, 7h, est-ce que tu veux bosser avec nous? 2 secondes. Attends. J'aimerais d'abord savoir. Quoi? Vous êtes quoi exactement? J'entendais les messes basses que vous faisiez. Attends, mais non, depuis quand tu ramènes des gens comme ça dans le groupe? Non, tu le connais pas? Comment on peut lui faire confiance? Ce mec a l'air d'être un professionnel. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Oui, oui, Bill. Oui, tes toilettes sont bouchées, Joe. Va pisser dehors. Non, mais Bill, on s'en fout. Tu vas pisser ici non, si tu veux, mais attends. 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 Non, mais Joe. Mais. Genre, tu prends la décision tout seul comme ça. Attends, il se casse. Mais on s'en fout, c'est un connard. C'est un connard. Vous allez où? Je me barre, c'est une maison de fou ici. Mais non, mais monsieur Setter, mais non, mais. Ce sont mes amis, mais. Merde, putain, les gars, vous êtes. Non mais, monsieur Setter, on peut même pas parler tranquille quoi. Non mais attends, Setter, monsieur, je suis pas sûr que tes amis ont besoin d'un mec comme moi. Tu lui racontais quoi? Tu racontais quoi là? Parce que le mec, il voulait que tu rejoignes notre groupe, mais non mais c'est bon quoi. Écoute, ce mec là a les mêmes priorités que nous. Autant l'embaucher. Voilà, il sait manier les armes, ça d'être un professionnel. Mais qu'est-ce qu'il nous rapporte? Qu'est-ce qu'il va nous rapporter? J'ai buté tous les Albanais, je vous ai aidé. Mais le problème, c'est que tous ces Albanais, mafieux Albanais, bien évidemment, ouais, bien sûr, ouais. Ils avaient buté tous mes coéquipiers juste avant. Ok. Donc je suis bien certain dans ma tête de les buter jusqu'à une année. Nous aussi, on a la même mission, c'est venger Collins. Et Joe? Ouais. Sinon, pour les toilettes, on fait comment? Oh, putain, Bill, va dehors, bordel. Va dehors, c'est la seule solution que je vois là, Bill, va dehors. Ah, mais j'ai pas envie d'aller dehors. Yeah, bon, ok. Franchement. Putain. Bon, écoutez, monsieur Setter, réfléchissez. Vous croyez que c'est un truc drôle? Pendant 10 ans, on a fait du trafic d'armes. Au début, on était justicier, mais ça nous suffisait pas. Mais ça nous fait pas rire, c'est juste que. Je suis vraiment désolé, c'est mes amis. Enfin. J'ai perdu mes coéquipiers il y a une semaine. On était 5. Chacun ses petits problèmes, hein, tu sais. Hein, on va pas se raconter tous nos petits soucis et tout. Ouais, bah, mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais, bon, t'en as beaucoup. Moi, je veux bien te faire confiance. Mais tu nous fais un coup de travers, c'est ta gorge qui est coupée. Écoute, Skizzy, niveau coup de travers, je pense que tu devrais pas trop la ramener. Hein. Moi, je suis quelqu'un de réglo. Ouais, c'est ça, ouais. Je te rappelle que tu nous as foutu en tôle.
Mais bon, ça c'est une autre histoire. Quoi? Non, on vous expliquera plus tard, on vous expliquera plus tard. Non, mais les écoute pas, ils racontent de la merde. Bon, écoutez, monsieur Slater, prenez votre décision. Je vous laisse ma carte. Et puis vous me rappelez? Je reviendrai dans 3 semaines. Ok. Pas de problème. D'ici là, faites ce que vous avez à faire. Je réfléchirai. Ok. Bon, bah au revoir. Du book. Oui. À la prochaine. Ok, à la prochaine. Bon. Skizzy, c'est bien de rajouter quelqu'un, non? Non, mais est-ce qu'on peut lui faire confiance? Prends un verre de nous, vin. Nous, on veut que des mecs réglo, quoi. Nous, voilà, on s'est jamais fait des coups de pute et tout, tu vois. Prends un verre de vin. Non, mais tu dis ça pour que je sois bourré, pour que j'accepte mais non, mais ça. T'inquiète, prends un verre de vin. Ça... Oh. 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 Oh putain, ça doit être Bill, bordel. Enfin bref. Ah putain. Bon, d'accord. Attends, tu prends un verre de vin, tu pourras sortir chez moi, par contre, Skizzy? Bah parce attends. Parce que j'étais chez moi et puis j'ai envie d'aller me coucher. Ouais, t'inquiète. Fais comme chez toi. Je t'en prie. Bon bref, fais pas le con dans l'appartement et surveille Bill. Bon, je vais me coucher, hein. Ciao. Ah putain. Je le sens bien, ce mec. J'espère qu'il nous rejoindra.